Peuple haïtien, peuple de Lévite, bonjour. C'est un plaisir matin pour nous avec vous, pour nous partager la parole de Dieu. En premier lieu, nous allons chanter chantem nous. Un parfait sauveur est ici qui t'invite à te jeter dans ses bras. D'un salut parfait, il t'a acquis le mérite. Tu n'as qu'à faire qu'un pas, un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'a franchi sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, nous invoquons présence parmi nous en cet instant. Pardonnez-nous, pardonnez péché nous, iniquité sans nombre de nous, pardonnez-nous, lavez-nous complètement dans le sang petit Jésus et fait que nous capables, semblables avec ton Fils. Papa, mes peuples voient devant, ils sont prêts pour entendre des paroles ou. Papa, parlez et que ton peuple écoute. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Jodi a, nous allons traiter un autre sujet. Nous avons un peu de sujets qui ont fait des problèmes souterrains, tels que le sujet de la réincarnation ou la résurrection ou l'état des morts. Qui côté moi yo aller les mourir est-ce que c'est dans le ciel y aller son a utilisé reste maintenant pour nous couvrir sujet ça yo jodi a n'a posé question ça où sont les morts demain n'a posé deuxième question la résurrection ou la réincarnation qui ça passé avec moi yo son jodi a en rété sur l'état des morts. Le bon Dieu t'a créé l'homme. C'est comment t'a créé l'homme? Dans Genèse 2, verset 7, il dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. OK? Et puis il dit, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis, bon Dieu souffle dans la narine, et puis il vini un être vivant. OK? Immédiatement, le cerveau fonctionne, le cœur commence à battre, et le sang circule dans les veines de l'homme. La conscience est produite. OK? Dis-moi que bon Dieu souffle dans la ligne. La conscience est produite. Comment cela se produisit-il? Comment ça te fait fait? Comment fait l'Éternel fait former l'homme de une masse la boue et puis soudainement lui souffler dans la ligne dans masse la boue former l'homme non? Et puis l'homme commencer il y a conscience, cerveau l'a fonctionné, cœur l'a battu, et tout programme circulaire nous connaît, circulatory system nous connaît, est en fonction. Comment ça fait fait? So nous comprendre que c'est un miracle divin. C'est bon Dieu seulement qui a fait ça. Pas de monde qui a fait ça. Pas de explosion qui a fait ça. OK? Cela n'était pas dans la poussière du sol, toute vie ça y est, ni dans le souffle de la vie. La conscience était le résultat de l'union du souffle de la vie et de la poussière du sol, le corps humain. La conscience dépend entièrement de l'union du souffle avec le corps. So, bon Dieu souffle, qui est le souffle de la vie, et puis, dans le corps là, et puis il prend vie.
Maintenant, nous connaissons comment l'homme nous fait lire dans Genèse 2, verset 7, comment bon Dieu formait l'homme. Maintenant, l'homme rêvait que l'homme mourit. Ça passe que l'homme mourit. Nous allons lire dans Psaume 146, verset 4. Il dit, leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. L'homme souffla quitte Kora. Qu'est-ce que souffla quitte Kora? Kora vient retourner avec Masla Bouabak. Ok? So, le souffle s'en va. Et tout dessein, tout rêve, tout disparaît. Seulement souffle qui est déplacé. Depuis souffle est déplacé, pas la vie encore. L'homme retourne à en masse. Pas en masse vivante, non, en masse qui mort. Ok? So, maintenant, qui ça Salomon dit lui-même? Parce que Salomon c'était un grand sage. Qui ça le dit à travers Ecclésiaste 9, verset 5? Lui dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Masla Boukirete a pas connaît rien. Pour même quand on évoquer les morts ne savent rien, nous dit Salomon. Ok? L'homme droit qui meurt, bénit-il le nom de l'Éternel dans le séjour des morts? Est-ce que Moyo qui en bataille qu'a loué bon Dieu? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, nous dit David à travers Psaume 6, verset 5. Sous les morts ne savent rien. Et Jésus était mort, pas vrai? Ok, parmi tout le monde qui mourit, qui ressuscité, nous connaissons Jésus, nous connaissons Lazare. Son ap, ouais, ça qui t'est passé. Il y a un monde qui pense, là où on tombe, Bible mourit, il y a une séparation qui fait avec le souffle, ou bien on dit l'âme, le souffle et le corps, et puis on dit l'immonté dans le ciel. Même joie. À la minute que mon a mourit, on dit l'immonté dans le ciel. Ça nous dit, elle n'est pas biblique du tout. Moi, pas capable de monter dans le ciel. En nous, qui côté Jésus-Christ, dit qu'elle était lui-même, elle était mourie. Est-ce qu'elle était montée dans le ciel? Ok? Ne vous étonnez pas de cela quand l'heure vient, ou tous ceux qui sont dans les sépulcres, Jésus-Christ a parlé, oui, ou tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortant, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, verset 28-29. Ne vous étonnez pas de cela quand l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortant. Jésus-Christ a parlé, il dit. On le voit venir, côté que tout le monde a tant de voiles, et puis la réléo, au son de la trompette. Ok? Il a sorti de leur tombeau, il a sorti dans le tombeau, et puis il a ressuscité. Il y a un groupe a ressuscité pour la vie, et un groupe a ressuscité pour la mort. Ok? Job, tu comprends ça. Job, tu même dit l'Éternel, tu que l'Éternel te fourré li dans un tombe. Elle te gagne espoir que l'Éternel t'a ressuscité. OK? So Job dit comme ça. Job comprit qu'il devait attendre l'appel de celui qui donne la vie lorsqu'il serait dans la tombe. Job 17 verset 13. Quelle condition l'homme y est lorsqu'il y entré dans la tombe ni? Est-ce qu'il y a un pouvoir pour faire un bagage quelconque? You know, pour mon cavalier, les moyens. Il y a un pouvoir pour parler, il y a un pouvoir pour faire des nouvelles, il y a un pouvoir pour partager avec les hommes. So, il
lorsque moun yo mouri, yo pa gen pouvoir pou yo fè anyen. Et qui ça Paul dit sous ça dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13. Il dit frère, nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. OK? Nous pas vle pour vous dans fait noir pour dans l'ignorance. Au sujet de moun ki mouri yo, moun ki mouri yo pa konnen rien, yo seulement dans leur tombe et puis attend la résurrection. Y attend. Tous les morts sont dans leur tombe attendant la résurrection de Jésus. Y attend dernier jour, y attend le grand matin de la résurrection. Tous les morts sont dans la tombe. OK? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est ça Paul dit. Et qui ça Jean lui-même lui dit dans Jean 11, versets 11 à 14. Concernant la mort de Lazare. Qui ça le dit? Jésus emploie les termes endormi et mort indifféremment. Pendant sa mort, 4 jours, il n'est pas allé au ciel. Ni en enfer ou en purgatoire. Pour mon qui croit les gens mourir dans le purgatoire, il prie, j'ai péché, et puis après ça, pour traverser, puis dans le ciel, il finit de chanter un paquet de messes pour eux. Il dit, il n'y a pas allé ni dans le ciel, ni en enfer, ni en purgatoire. Parce que le Jésus est arrivé devant Tom Lazare, 4 jours plus tard. Le Jésus-Christ est arrivé devant Tom Lazare. Jésus-Christ n'a pas dit ciel, il a retourné dans sa bague, non? Jésus-Christ pas dit purgatoire, retournez voyez Lazare bac retournez ba non. Mais Jésus-Christ parlait directement à la tombe. Il dit Lazare, sors de ta tombe. Il va invoquer Lazare pour sortir dans le ciel. Ni en purgatoire, mais 4 jours plus tard, il relève Lazare pour sortir en de tombe. Ça veut dire que nos morts sont dans leur tombe, ils n'ont pas allé pièce côté. OK? Ils vont monter dans le ciel. Ils n'ont pas dans le purgatoire. Ils n'ont pas besoin de chanter messe pour moi. Pas grand-rien moi qu'à faire. L'elfine ferme des graines gel. OK? Job, tu pensé à la résurrection des morts. Dans Job 14, versets 11 et 13, il dit, les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Pas qu'il y a un mort qui a levé, tout un ciel a existé. OK? Il ne sortira pas dans son sommeil. Job qui a parlé. Job, c'est dans le gros sage de lui. Job dit, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. So Job, tu que t'as fait allusion à la résurrection des morts. L'idée, ouais, tombe, c'est un bagage temporaire. La mort, c'est un bagage temporaire pour un monde qui mourit et qui croit dans bon Dieu. So, Job te pensé que bon Dieu a mis dans la tombe, que il est capable de cacher pour temporairement. Et que lorsque le dernier jour, le grand jour de la résurrection arrivait, et que bon Dieu a réveillé dans le sommeil de mort. Li. So, Job parle comme ça, il dit. OK? Job parle et dit, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. Job pensait que c'était colère, bon Dieu, qui était contre lui, que peut-être qu'il était fait un bagage quelconque qui était mal, qui fait souffrir comme ça. Son idée préférée que bon Dieu te caché dans ton lit et qu'au dernier jour, il t'a levé, il t'a ressuscité. So, yon pa jam pense ke yon pa le ou fin femenje yo monte dans ciel ou bien aller dans un purgatoire.
ou bien yo retourné y a vivre dans l'autre corps. OK, en conclusion, Pierre dit, le jour de la Pentecôte, Pierre déclare que David n'était pas monté au ciel après sa mort, mais qu'il se reposa dans sa tombe. OK? Pierre a fait allusion aussi à David, ou à David, qui est encore dans sa tombe. Abraham dans sa tombe. Moïse dans sa tombe. Tous les morts sont dans leur tombe. Pas de monde qui montait à l'ancien, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Ça veut dire, c'est Jésus qui descend, qui est monté. OK? Tous nos morts sont dans la tombe. Il y a tant la résurrection. OK? So, ou même, qui croit que, quand invoquer les morts, nous devons apprendre la condition des morts. Par contre, si vous changez l'histoire, Jésus-Christ est baillé sous Lazare et l'homme riche. Lorsque Lazare mourit, il dit, lorsque l'homme riche l'a mouru de préférence, il dit, pour bon Dieu permettre que Lazare taper un petit de l'eau, vint taper un petit de l'eau dans l'angle, parce qu'il a souffri à mes mains côté lié. C'était une histoire, c'est pas pour d'autres bagages qui fait tout bon vrai. So, c'était une allusion de Jésus qui était voulu faire. Et puis, il dit comme ça, il y a une grande séparation entre Lazare et vous-même, et que Lazare va faire rien pour vous. Après ça, il dit l'Éternel, eh bien, voyez Lazare, elle dit, famille mieux que derrière, pour vous convertir, pour vous pas venir dans la souffrance sacrée. Et puis, Jésus-Christ dit, il y a un derrière qui a fait travailler ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a un derrière qui a prêché, ce n'est pas Lazare qui a prêché. Parce que les morts ne savent pas, les morts ne peuvent pas retourner pour le travail, pour aller alerter les gens, pour dire, fait plan pour sauver ou pas aller dans le séjour des morts ou besoin faire plan pour sauver. So, puisque Lazare dans sa mort il est inactif, les morts ne savent rien, ils ont pas qu'à prêcher moun derrière, ils ont pas qu'à porter l'évangile bay sa ki derrière, ils ont pas qu'à faire rien dans bagay sa yo. Vous comprenez? So, nous ne devons pas parler avant sur l'état des morts. Les morts ne savent rien. Et demain, nous ne devons pas parler avant sur la résurrection. Est-ce que vous croyez dans la résurrection ou bien est-ce que vous croyez dans la réincarnation? Un seul monde qui est réincarné, c'est Jésus. So, nous connaissons un paquet de nous croyons dans la réincarnation. Pas une base pour lire dans la Bible là. OK? On monde noir voyon sur la montagne de transfiguration, yo te voyé Moïse, yo te voyé Élie, yo te voyé temporairement yo te voyé. Mais son vision. C'est une vision, nous pas une vision pour nous mettre pour un bagage normal, un bagage pour nous dire que yo réincarné. Réincarné qui bon? Qui côté yo connia si yo réincarné? Côté yo fin. OK? Tout le monde qui a dit mort réincarné, qui est-ce qu'il fait? Et puis, cette connaissance, cette philosophie réincarnation, c'est pour le monde qui va vouloir mourir, yo, qui vient avec philosophie ça, que le pape jamais mourir. Tout le monde qui croit dans la réincarnation, attendez, vous parlez de vous, le pape mourir. Le pape jamais mourir. So, est-ce que bon Dieu dit que le pape jamais mourir? Depuis Adam et Ève te fin péché dans les jardins d'Éden, la mort prononcée pour nous tous, oui. So, ça veut dire, nous tous a passé par la mort comme conséquence de notre péché, de nos péchés. C'est le monde qui va mourir, c'est le monde qui a pour aller Jésus-Christ à descendre. Mais il dit, dans une seconde, dans une fraction de seconde, on va transformer et on va venir un nouveau corps incorruptible qui pape
ka piquer, qui pas ka blesser et qui pas ka mourir. OK? Après la résurrection ou bien la venue de Jésus, ou bien corps incorruptible ça. Ou bien en santé parfaite, que rien maladie pas ka toucher, la mort pas ka toucher. So, chers frères et sœurs, fais plan pour que ou capable héritier ce corps incorruptible que Jésus voulait bailler nous chaque qu'il a lorsqu'il est retourné. Jésus-Christ a retourné quand même. Jésus-Christ vient pour le retourner. Si chaque mort qui mourit t'est monté dans le ciel, ça Jésus-Christ a fait. Pourquoi Jésus-Christ a besoin de retourner? Pourquoi parle-t-on de la deuxième venue de Jésus si tous les morts sont montés au ciel? Si tout le monde qui mourit est monté dans le ciel? Pas de raison pour nous parler de la résurrection de la résurrection tout, ni pas de raison pour nous parler de la seconde venue de Jésus. Est-ce que nous comprenons? Si tout le monde qui mourit immédiatement est mort, il est filé et monté dans le ciel. Jésus qui a besoin de retourner, tout le monde est déjà joué de nous. Qui est-ce qui vient chercher sous terre même? Qui est-ce qui va lever en bas et aller retourner? Tout le monde est déjà dans le ciel joué de nous. Est-ce que nous comprenons qui pleure au nas? Ou bien qui mensonge ennemi a fait nos couilles là-dedans. Bon, moi-même, moi là pour m'ouvrir les yeux, parce que bon Dieu, vous voyez, moi comme son Josué, pour m'ouvrir les yeux, non, pour me faire nous voir, qui ça la parole de Dieu dit. Moi, dans le séjour des morts, il y a tant la résurrection. Le grand matin de la résurrection, d'après tout le monde, d'après toute la famille, tout ça qui est mort en Christ, d'après vous, il a retourné vivre avec nous. Bon Dieu, il a quitté tout ancêtre, tout petit, tout ça qui fait volonté depuis le temps d'Adam et Ève, pour le quitter, il a disparu, il a jamais retourné à la vie. Non, il a retourné à la vie. So, demain, n'a venu avec sujet la réincarnation ou la résurrection. Qui est ce quoi? So get ready. On pose le sujet à chauffer demain. Get ready. Mettez-vous prêt pour demain. OK? Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avec vous. Si vous en plein air, on attend des messages en plein air avec missionnaire des 10 commandements, fais plan pour baptiser. Fais plan pour mourir au péché. Et que pour ressusciter avec Christ, lorsqu'on levé en bas de loi, pour ressusciter avec Christ, pour vie nouvelle, et pour mettre nom dans le royaume, là, pour nous écrit dans le royaume l'éternel là, lorsque lui vini, dans sa seconde venue, lorsque lui trompette la sonne, il fait appel pour qu'on capte des voiles, et qu'on capable lever, qu'on capable vivre une mère tout. Pour une nouvelle vie, j'aimerais dire, est-ce que Zoe n'a pas revivre encore? Oui, toute Zoe qui dans la tombe a revivre encore, parce que lorsque mon Dieu sonne les trompettes là, lorsque mon Dieu fait appel, tout a levé pour y venir mettre. Et mon Dieu va le dire, ou même qui était obéissant, ou même qui missionnaire des 10 commandements, qui travaille dur pour l'île, va le dire. Félicitations, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Vini bénéficier au royaume ça que m'était préparé pour vous dès avant la fondation du monde. OK? So, mettez connaissance sur vous pour que vous puissiez faire bon choix pour choisir pour faire partie du royaume bon Dieu. Baptisez. Bay non. Bay missionnaire non. Baptisez. Faire un témoignage public qu'on pas pour l'ennemi encore, mon prend position pour le royaume de Dieu, le royaume de Yahweh qu'a formé maintenant même en Haïti, qu'a formé maintenant même chaque temps où on baptisé, c'est inscrit ou inscrit non, c'est agrandi ou agrandi royaume bon Dieu a. Mettez non dans royaume non, mettez non dans le livre de vie, chaque temps on accepte pour faire volonté papa. Mettez nom dans le livre de vie pour toujours.
Si vous avez pris la bonne décision, matin même, vous faites le bon choix pour sauver, non pas pour être un poil dans le feu éternel, m'a expliqué le feu éternel là après. Vous pouvez aller dans le feu éternel, ça n'a rien à l'enfer, on va l'expliquer l'enfer à tout. So, demain, c'est la réincarnation ou la résurrection. Et après demain, l'enfer. Est-ce que l'enfer existe? Qui côté lié? So, moi, je vais garder nous toutes en haleine pour nous obtenir un bel sujet sérieux que l'Éternel a voyé pour nous semaine ça. C'était un plaisir pour me dire avec nous. Passez bonne journée sur la puissance de notre Yahweh, de notre libérateur Yahweh. Amen.